Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les formes de base de Ikkyo sur Katate Dori Ayami. La première forme s'appelle Ikkyo Ura, qu'on appelle aussi Ikkyo Teori Nikkyo, car c'est le plus pur de tous les Ikkyo. La composante Oba domine, car c'est la nature de Ikkyo, mais c'est ici encore plus prépondérant. La deuxième forme s'appelle Ikkyo Omote Teori Nikkyo, où l'on insiste au début un peu plus sur la composante latérale droite-gauche, gauche-droite, caractéristique des techniques de l'élément terre. La troisième forme de Ikkyo Omote est Teori Sankyo. Dans celle-là, on insiste un peu plus sur la composante arrière-avant en début de technique, qui est la caractéristique des techniques de l'élément du vent ou de l'air. Dans la quatrième forme, Ikkyo Omote Teori Yonkyo, on insiste sur le cercle vertical de Shihonage, caractéristique des techniques de l'élément feu. Tous ces Ikkyo restent de l'élément eau car c'est la nature Oba de Ikkyo. Toutes les formes de Ikkyo se résument dans Ikkyo Omote complet où se suivent l'une après l'autre les théories Ikkyo, Nikkyo, Sankyo et Yonkyo pour former comme le Uchi Kaiten Nage des Ikkyo qui les résume tous. Dans les programmes d'examen plus avancés, nous avons encore une forme de Ikkyo Ura sur Irimi Tenkan Tenshin où l'on contrôle le coude comme la variation de Ikkyo Ura pour terminer avec la base de Ikkyo Ura.